Oui, c'est notamment le cas de Bernadette, 71 ans. Cette ancienne soignante qui vit seule vient de voir son loyer tripler pour le mois de mars. En fait, il s'agit d'indemnités d'occupation qu'elle doit payer parce qu'elle aurait dû quitter son logement au moment de son départ en retraite en raison de la clause de fonction qui existe dans beaucoup de secteurs. Et donc avec cette reprise en main par la PHP, eh bien, elle doit trouver une solution. Pour moi, c'est un cauchemar tous les jours. Je n'ai pas le moral, je ne sais plus quoi faire. Étant donné que je suis senior dans le privé, je n'arrive pas à me loger. Si je dois vraiment payer, si je suis vraiment prélevée, je n'ai rien à manger. On se sent humilié un petit peu d'en arriver là. Moi qui pensais vivre une retraite sereine, eh bien, pas du tout. Des représentants syndicaux et d'associations dénoncent un manque d'humanité, notamment en prenant un autre exemple, celui d'une locataire encore plus âgée et gravement malade. La direction de la PHP répond traiter au cas par cas, en admettant qu'il y a des situations difficiles. Mais avec 100 000 employés, l'assistance publique explique qu'avoir besoin de logement pour ses salariés et déplore qu'actuellement, seule une demande sur cinq n'aboutisse.